Méditation du 6 septembre. Dieu corrige ceux qu'il aime. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, les versets 11 et 12. David n'aurait jamais imaginé jusqu'où son goût pour Bathsheba le conduirait. Il a vu depuis la terrasse au palais et dès lors, sa passion s'est enflammée. Il a séduit cette femme qui était l'épouse d'Uri, l'un de ses guerriers les plus vaillants. Il a ensuite donné des ordres pour que ce loyal soldat et grand du roi meurt au combat. Puis, sans vergogne, il a pris Bathsheba pour femme. Sa renommée, son héroïsme du passé, son habile gouvernance, tout a été balayé. Les chefs militaires commentaient les nouvelles stratégies du roi pour parvenir à ses fins personnelles. L'indignation était générale parmi les soldats. Comment avait-on pu faire une chose pareille à l'un des meilleurs soldats de l'armée israélite? Alors que David faisait comme si de rien n'était, tout le peuple savait comment il s'était avili. L'ancien berger essayait de se convaincre que ce qui était arrivé n'était pas si grave. Et personne n'osait affronter l'héroïque roi d'Israël, loin de l'Éternel, celui qui les avait libérés du joug des Philistins. En plus, comme tout bon dirigeant, David détestait recevoir de mauvaises nouvelles et réagissait assez mal quand on lui en donnait. Mais un beau jour, le prophète Nathan est arrivé rempli de courage et a annoncé au souverain hébreu qu'il avait péché devant Dieu. Nathan lui a fait comprendre qu'il était devenu adultère, assassin, mauvais dirigeant et indigne de la confiance de son armée. Il avait montré tant de mépris pour l'un de ses meilleurs hommes. Que pouvaient espérer les autres? Les paroles du prophète ont pétrifié David. Cette remontrance le blessait au plus haut point, mais il a accepté. Il a reconnu son péché, il s'est repenti sincèrement et a été prêt à affronter les dures conséquences de ses actes, dont la mort du fils qu'il avait eu avec Bathsheba. Nous commettons tous des erreurs. Personne n'aime le reconnaître et encore moins en supporter les conséquences. Mais la Bible dit que le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Si tu ne représentais rien pour lui, il te laisserait te noyer dans tes péchés. Mais il ne le fait pas. Il te cherche sans cesse parce que tu l'intéresses vraiment et qu'il désire t'aider à surmonter tes difficultés. Ne sois pas vexé qu'il te corrige et ne méprise pas ses reproches. C'est pour ton bien. Demande aujourd'hui au Seigneur de t'aider à écouter attentivement cette tendre réprimande et ses conseils afin de mieux vivre. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.